Le crépuscule est un moment particulier pour moi, donc cette impression d'être face à une porte. Une porte qui m'ouvre un espace vers des dimensions supplémentaires qui ne peuvent être perçues par nos cinq sens. Ma passion, les formes géométriques et les couleurs. Elles forment vraiment la base de toutes mes créations. Dès mon plus jeune âge, je savais déjà que je deviendrais créatrice. J'étais sans cesse en train de dessiner, peindre, décorer, créer des accessoires de mode. Il est rapidement devenu évident que je possédais une sensibilité artistique. Mon parcours créatif n'a jamais cessé d'évoluer. Peinture, céramique, photographie, couture, sculpture, j'ai tout exploré ou presque. Enfant déjà, je rêvais de formes géométriques, de nombres, de symboles. J'étais attirée par les civilisations anciennes telles que les Mayas, les Incas, l'Égypte ancienne. Je voulais découvrir les mystères du monde et leurs symboles. Qui étaient ces Atlantes? Que se cachaient-ils derrière le triangle des Bermudes? Comment les pyramides ont-elles été construites? J'ai découvert en fait que la géométrie façonnait la réalité. Cette géométrie est à mes yeux un langage universel, mystérieux et intuitif, comme s'il donnait l'accès à une compréhension profonde de la vie. Le plus frappant aura sans doute été de découvrir que les modèles et les codes apparus dans mes œuvres étaient quasiment identiques à celui de nombreuses sculptures. J'y retrouvais la divine proportion du nombre d'or, des symboles métaphysiques, des formes géométriques, le Sri Yantra asiatique ou mandala, et bien d'autres clés vibratoires, le carré qui symboliquement combine ciel et terre, matière et esprit. C'est comme si mon moi intérieur contenait une source riche et permanente de visions merveilleuses. Aussi énergétique, ma vision permet d'ouvrir les esprits et d'instaurer une atmosphère paisible, bienveillante. La nature est pleine du génie du divin. La géométrie du vivant en est sa marque. Et c'est pour moi une source d'inspiration inépuisable. L'une de mes quêtes, c'est de réunifier la matière et l'esprit, la science et la spiritualité. Car selon moi, la matière est hautement spirituelle. J'aime partir à la recherche d'images. C'est une aventure faite d'imprévus et de surprises. Parfois, je trouve l'hélice d'un bateau ancien, l'intérieur d'une figue mûre et généreuse, la carcasse d'automobile oubliée ou des tentacules rouges et gluantes d'une fleur carnivore. Dans le secret de mon atelier, oui, je transforme tout en pièces rares et curieuses. Je me perçois comme une naturaliste. Je découpe, je classe et soigneusement j'assemble, puis je superpose ces images. Elles semblent s'appartenir l'une l'autre depuis toujours, en fait. C'est comme une révélation. Quand je crée, je n'ai pas l'impression de travailler. C'est comme un ressenti, un besoin irrésistible d'explorer mon jardin intérieur et de donner vie à mes visions.
Oui, je vis ma création comme un événement magique, un miracle, une renaissance. Et toujours, la présence de la femme. Elle est centrale dans mon œuvre, cette femme sensuelle, puissante, mystérieuse. La féminité, la douceur, la sensualité font aussi partie de mon langage. Mon style traduit diverses influences. Un curieux mélange d'espièglerie, de surréalisme, de sensualité et d'élégance. En fait, je suis une coloriste passionnée. Et j'aime marier les nuances les plus délicates. J'ai toujours été fascinée par la beauté. Ce qui est beau à mes yeux, c'est le dialogue entre les contraires, les opposés. Cette danse entre le neuf et le décrépit, le brillant et le terne, la joie et la tristesse, la matière et l'esprit. Les contraires s'assemblent, et de ce qui diffère naît le plus beau des accords. C'est dans cet accord que se crée la beauté, selon moi. Je poursuis mon expansion dans le design textile et je conçois des foulards exclusifs, nuancés et envoûtants, autant de talismans mystiques à offrir et à s'offrir. Et j'aime aussi décliner mes œuvres sur d'autres supports, d'autres matières, telles que le lin pour en créer des coussins, par exemple. Mes œuvres, en fait, peuvent être perçues comme des mandalas. Et ces mandalas ont une dimension mystique et représentent la matrice espace, temps, être. Je me plais aussi à raconter des histoires. Posséder une de mes œuvres, c'est un peu comme avoir à portée de main un talisman qui vous relie à l'humanité, à l'univers, au divin. Un talisman qui ouvre la conscience au plus grand que soi, à la jeunesse du monde. Au fil de mes recherches et de mes créations, j'ai découvert un monde nouveau. Ah, ce monde a totalement renouvelé ma vision de la vie. J'espère que vous vivrez la même chose que moi et que mes œuvres vous aideront à approfondir votre conscience de cette réalité.